Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui sont ici et à ceux qui nous suivent en ligne. Alors, cette semaine, nous avons tous vécu différentes choses et nous ne voulons rien nier, mais ce matin... C'est toujours bon. Ce matin, nous voulons nous rappeler que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il est le roi des rois. Alors, on va chanter ça, roi des rois. Et Jésus, j'élève ma voix. Ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur accueillir ce matin. Nous te demandons de bénir ce moment ensemble. Inspire-nous, enseigne-nous, ouvre nos cœurs. Bénis les enfants, bénis leurs moniteurs. Merci Seigneur. Amen.
Donc, les enfants peuvent rejoindre leur moniteur. Les jeunes peuvent rester ici. Les préados aussi, aujourd'hui. On va lire Jean 14, versets 6 et 7. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Prions. Merci Jésus, quelle merveilleuse révélation. Le chemin, la vérité et la vie, c'est toi. Le chemin n'est pas un impasse, ce n'est pas non plus un chemin tout tracé, mais c'est un chemin vivant, car c'est toi. La vérité n'est pas non plus une lettre qui enferme, qui tue. La vérité est vivante, c'est toi. Tu es vivant, tu es la vie. Et c'est toi qui as révélé Dieu le Père. Tu es le chemin vers le Père. Tu es merveilleux et nous t'aimons. Chantons de notre Seigneur Jésus. Quand j'ai vu tes mains, et après nous chanterons, je veux chanter un chant d'amour. Sois mon amour.
chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Nous allons lire à la fin de verset 17 de Jean 20. Mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. Sur terre, Jésus a révélé le Père. Depuis tous les temps, les gens ont des mauvais images de qui il est, Dieu. Mais Jésus, quand nous regardons Jésus, nous savons comment il est vraiment. Jésus a révélé Dieu le Père. Et quelle révélation! Puis il a vaincu le péché et la mort. Il est la vie. Il est toujours chez son Père, et qui est aussi notre Père. Chez son Dieu, qui est aussi notre Dieu. Louons Jésus, le vainqueur, le commencement et la fin. Nous chantons merveilleux nom et à l'agneau de Dieu. Et ensuite, il y aura un temps de prière libre. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est
Il est maintenant élevé à la droite de Dieu. Jésus, depuis tout le temps et pour tout le temps, tu es loué. Tu es loué sans cesse par tes anges, aussi par tes enfants. Et tu es digne d'être loué, Jésus. Tu es digne. L'agneau de Dieu est élevé. Nous voulons nous joindre, ce petit groupe ce matin, par rapport au monde entier et par rapport aux générations qui ont vécu avant nous, qui vivront après nous. Nous voulons nous joindre à ces louanges, Seigneur, parce que tu es digne d'être loué, Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le vainqueur, le commencement et la fin. Sois loué, Jésus. Thank you.
Voilà, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de l'Ascension parce que c'est une fête que parfois on néglige. C'est une fête que parfois on néglige. On pense beaucoup à d'autres fêtes. On pense à Noël, on pense à Pâques, on pense à Pentecôte. C'est les grandes fêtes auxquelles on pense. Mais l'Ascension, parfois on se demande si ce n'est pas une fête un peu négligée. Et je voudrais rappeler des choses aujourd'hui qui me semblent tellement essentielles avec cette fête que ce serait dommage de passer à côté, quoi. Lorsque, donc il y a quelques instants, quelques jours qui sont passés, on a fêté Pâques, bien entendu, et ça, c'est la fête qui est au-dessus de toutes les fêtes, parce qu'elle nous permet de voir que Dieu nous a libérés. Et Paul a tenu à rappeler des choses essentielles, notamment aux Corinthiens, pour dire que cette Pâque et cette résurrection de Jésus ne devait pas passer inaperçue. Alors, je parle de la résurrection d'abord, mais je vais parler de l'Ascension ensuite. Et je voudrais d'abord montrer qu'il y a des choses qui sont vraiment essentielles, qui doivent s'enraciner en nous, sans quoi, quelque part, nous perdons pied. Et Paul a notamment pris le temps d'écrire aux Corinthiens, et donc je vais lire quelques extraits déjà de la lettre aux Corinthiens, notamment dans le chapitre 15, pour vraiment mettre l'accent sur ce que c'est que la résurrection des morts et pourquoi Jésus est ressuscité. Et je vais lire, tous les textes que je vais lire sont dans la Bible Second 21, et vous verrez que ça a son importance. Le premier extrait de cette lettre de Paul aux Corinthiens, que je trouve dans chapitre 15, donc, c'est au partir du verset 1. Alors, quand il dit frères et sœurs, c'est parce que justement, aujourd'hui encore, aujourd'hui c'est d'autant plus, il n'y a pas que les hommes qui sont concernés par le salut. Et donc, la seconde 21 a tenu à rappeler frères et sœurs, là où, dans l'original, bien entendu, il est indiqué que seulement frères. Mais entendez frères et sœurs lorsqu'il y a cette intention de Paul quand il s'adresse à l'Église. Et je vous rappelle donc, dit Paul, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, et frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme un enfant né hors terme. Un enfant né qui, ma foi, est-ce qu'il aurait pu naître ? Finalement, Dieu a permis que lui aussi connaisse que Jésus est ressuscité. Oui, Jésus est vraiment ressuscité, Paul tient à l'affirmer, et il a pris un chapitre entier de l'Épître aux Corinthiens pour parler de cette résurrection. Et ça, c'est une importance capitale. Ensuite, il va parler, dans ce même chapitre, de la nature des corps ressuscités, parce que là aussi, parfois, il y a des énigmes, qu'est-ce qui se passe après la mort. Et donc, avec une pleine assurance, il va donner l'exemple, notamment d'une plante. Verset 35, « Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de sens, dit-il, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. » C'est aussi le cas pour la résurrection, verset 42, « Des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé faible, il ressuscite plein de force, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel, mais ce n'est pas le spirituel qui est premier, dit-il au verset 46, c'est le naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. » Notez bien donc dans tout ce qu'il est écrit ici qu'il y a impossibilité pour un corps corruptible ou mortel, marqué par le péché ou par le mal, de connaître l'incorruptibilité, la gloire et la vie spirituelle dont Christ a fait preuve par sa résurrection. Et de conclure son chapitre 15 en disant « Lorsque ce corps corruptible aura vécu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. » Et retenez ce verset, verset 55, « Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ?» J'insiste sur le mot « enfer, où est ta victoire ?» parce que j'ai lu toutes les versions françaises, chaque fois il est dit « mort, où est ton aiguillon ? Mort, où est ta victoire ?» Mais en fait, dans le texte grec, il est bien dit « mort, où est ta victoire ? Enfer, où est ton aiguillon ?» ou l'inverse, « mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ?» Et j'ai remarqué que dans la King James, il est bien dit « la tombe ». Il est dit aussi dans la version espagnole que cela est fait allusion à la tombe. Et ce n'est pas seulement la mort naturelle qui est vaincue, c'est tous les lieux qui pourraient finalement contenir une mort, c'est vaincu.
Et Paul tient à le dire, et c'est dommage que la plupart des versions françaises oublient que finalement il y a ces deux dimensions qui sont signalées. Et le grec est très clair là-dessus. Donc l'aiguillon de la mort, bien sûr, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi, dit-il, même si cela peut étonner, mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Et au passage, il va donner ses versets 17 à 19 dans ce même chapitre pour bien montrer qu'il faut regarder les choses en face dans notre vie de tous les jours. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Alors nous aussi, nous avons à regarder les choses en face. Qu'en est-il de notre foi dans le Christ ressuscité, qu'en est-il de la résurrection des morts, hein ? Les premiers témoins auraient-ils été victimes d'hallucinations ? Ou alors, pire, est-ce qu'ils auraient inventé tout ce qui a trait à la naissance virginale du Christ ? Est-ce que ce serait aussi une invention que d'entendre les prophéties qui ont été écrites auparavant pour justifier la mort et la résurrection de Jésus-Christ par la suite ? Est-ce que nous ressentons avec conviction que ce chemin qui a été ouvert par le Christ, chemin de vie, chemin de résurrection, il n'a pas son pareil parmi toutes les philosophies que l'on peut trouver sur la terre, et que c'est une réalité qui doit faire face à une autre réalité qui est trop réelle, je dirais, qui est le cercle vicieux du mal que nous connaissons les uns et les autres. Alors oui, si c'est seulement pour cette vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, disait Paul, et c'est ce que nous devons entendre certainement encore aujourd'hui. Et donc la Pâque chrétienne est bel et bien une fête très importante pour le chrétien et pour tous les hommes et femmes de bonne volonté. Mais comme je l'ai dit au début, il en est une autre tout aussi importante, c'est l'ascension. Les évangiles synoptiques, ils font une brève allusion, c'est vrai. Matthieu la suggère alors qu'il convoque ses disciples sur la montagne au dernier chapitre, chapitre 28, verset 16, pour leur donner un dernier encouragement. Marc va la mentionner, mais il se trouve que, si vous lisez vos Bibles, les textes qui font allusion à l'ascension sont entrecrochés, parce que ce sont des parchemins tardifs. Et donc, à la limite, on pourrait se dire, bon, ça ne vaut pas le coup de s'y arrêter de trop. Marc 16, verset 9 à 20. Luc, lui, l'indique très brièvement dans chapitre 24, verset 50, avant d'insister quand même dans le livre des Actes, au premier chapitre, puisque c'est lui qui a écrit le livre des Actes, pour vraiment parler de l'ascension de manière plus nette. Quant à Jean, lui, il termine son évangile avec plusieurs récits de la résurrection des morts, de la résurrection de Jésus-Christ en particulier, sur le fait que tout ce qui a été écrit aussi est suffisant et que ça ne sert à rien d'en rajouter. C'est une fin du chapitre 20, pour dire, voilà, ce qui a été écrit est bien suffisant pour croire en Jésus-Christ. Et donc, l'ascension est à peine citée, à la fin, même pas citée dans la fin de l'évangile de Jean, mais il y fait quelque peu allusion, sans la nommer, dans les chapitres 14 à 16 de son évangile. Il a dit, par exemple, au chapitre 14, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Ou encore, puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Au chapitre 16 également, il va dire, cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, afin que, en effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus n'indique pas comment il s'en ira. Et rien ne permet d'imaginer qu'il s'agit de l'ascension, puisqu'il ne la nomme pas. Et donc, il y a une certaine forme de sobriété dans tous les récits des évangiles pour parler de l'ascension. Mais je vous encourage à ne pas la négliger. Et en tenir compte d'autant plus dans votre foi, parce que si, encore une fois, on passe à côté de cette fête, on passe à côté de beaucoup de choses qui sont tellement importantes pour nous. J'oserais même dire, si le Christ n'est pas monté au ciel, en parallèle de ce que Paul dit sur la résurrection, votre foi est une illusion. Et vous n'êtes pas encore, et vous êtes encore dans, d'une certaine façon, pour reprendre les mots de Paul, d'une autre manière, sous le poids de vos péchés.
Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. C'est ce que j'ose dire en parlant de l'ascension. Je tiens donc à vous rappeler quelques révélations du Nouveau Testament qui mettent en valeur l'ascension et son sens pour notre vie et notre foi. D'abord, je reviens à ce chapitre 1 du livre des Actes, chapitre 1, versets 3 et versets 9 à 12. Jésus présente donc aux disciples, se présente aux disciples dans son corps ressuscité, et puis il vient et il leur parle. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et au verset 9, on trouve ceci. Après avoir dit cela, c'est-à-dire l'envoi de l'Esprit et la mission des disciples, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent. Et ils dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Ici, nous entendons bien que, suite à la résurrection de Jésus, il est monté au ciel. Et nous entendons aussi que Dieu a un plan pour lequel les disciples seront désormais des acteurs. Jésus est ressuscité, Jésus enseigne une dernière fois pendant 40 jours, son ministère terrestre s'achève. Les disciples seront alors en mesure de propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu jusqu'au retour du Christ, qui se déroulera sensiblement de la même façon que son ascension. Et donc, nous pouvons prendre acte désormais de la valeur de tous ces moments forts. En particulier, Jésus a en vue son ascension, mais il voit aussi très bien que les disciples ont besoin d'assurance pour les propos qu'ils vont tenir. Avant l'ascension de Jésus, les disciples sont encore dans l'inexactitude sur ce qui concerne le royaume de Dieu. Ça peut être le cas pour nous aussi. Eux, ils pensent au royaume d'Israël. Au royaume d'Israël et non plus le royaume de Dieu, verset 6. Et Jésus va les enseigner sur le règne de Dieu à partir du verset 3. Et dans Matthieu, sur la colline, certains, il est dit aussi, avaient des doutes. On voit bien cette incertitude. On peut donc en déduire que 40 jours après sa résurrection, Jésus a parachevé son enseignement, et qu'il n'est plus nécessaire d'en donner davantage, qu'il est temps pour lui de passer à autre chose, et les disciples sont prêts. Viendra alors un temps où le Saint-Esprit, Pentecôte, secondera les disciples dans leur mission, et là, tout est dit, ils peuvent être rassurés. À la fin de son évangile, Luc précise d'ailleurs qu'il retourne à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Oui, l'événement de l'ascension est une charnière dans le plan de salut que Dieu veut propager sur la terre. Mais l'ascension ne nous montre pas seulement que Dieu réclame une action persévérante des disciples, que Dieu attend quelque chose d'autre à partir des disciples et des chrétiens donc sur la terre. Elle nous invite à entendre aussi que Jésus agit encore en notre faveur, en faveur des hommes et des femmes pécheurs que nous sommes. Jésus est monté au ciel en visant notre pleine libération. Et pour cela, il y a deux informations que je vous invite à retenir, qui sont capitales. D'abord, avec l'apôtre Jean. Dans 1 Jean 2, 1, il est dit, « Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Voilà le rôle qu'a Jésus aujourd'hui. Un rôle qu'il exerce depuis son ascension. C'est celui d'avocat. Et si nous avons quelqu'un vers qui nous devons nous tourner, c'est vers lui. N'hésitons pas à nous adresser à lui, parce qu'il est notre avocat. Et qu'est-ce qu'un avocat? C'est un défenseur, ce n'est pas un accusateur. C'est quelqu'un qui est là pour entendre nos maladresses, nos prières, nos difficultés, et les rapporter au Père. Donc ça, c'est capital déjà de savoir que son rôle n'est pas terminé, quand bien même il est terminé sur la terre. Un autre texte, celui-là encore plus important peut-être, à retenir, que je retiens pour vous, que je vous fais entendre à partir de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, versets 18 à 20. « Je prie, dit Paul, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons? Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Cette puissance, ce n'est pas seulement une puissance de résurrection,
une puissance qu'il a fait asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Paul va continuer au chapitre 2, versets 4 à 7. Alors que nous sommes associés à Christ, justement, dans le monde céleste, il dit ceci, verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » Et au chapitre 4, il va poursuivre encore à partir du verset 7 pour développer un enseignement sur les dons, sur les ministères qui constituent l'équipement indispensable à l'Église. Mais il va citer le psaume 68. Et il tient là à relever une idée très forte que Jésus est monté sur les hauteurs et qu'il a emmené des captifs, selon la traduction originale. Verset 7. « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. » C'est le psaume 68. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions plus basses que la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Le psaume 68 souligne une ascension triomphale, comme cela pouvait se passer à l'époque, pour monter vers le temple de Jérusalem, pour dire, voilà, c'est vers cette hauteur, puisque le temple est situé à Jérusalem, qui est dans la montagne, sur la montagne. Et c'est bien là que se trouve effectivement le salut, mis en évidence par un cortège dans lequel, de façon imagée, se situent ceux qui ont été captifs. Mais ici, Paul reprend ce texte avec une autre valeur. Il est question désormais du Christ et les captifs ne sont plus des prisonniers emmenés dans un cortège triomphal. Le texte grec devrait d'ailleurs être traduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, par « il a fait captive la captivité ». Et voilà donc l'autre rôle rempli par Jésus lors de son ascension. Il maintient encore captive la captivité, ce qui pourrait exercer un pouvoir mauvais sur les humains et désormais vaincu. Et Paul nous invite à intégrer cette vérité dans notre foi et dans notre quotidien. Je répéterai ce qu'il a dit par ailleurs dans la lettre aux Corinthiens, « Enfer, où est ta victoire ?» Cette captivité est vaincue. Ce n'est pas simplement une histoire de vie ou de mort sur la terre, c'est une question de tous les lieux qui pourraient dominer qui que ce soit, qui sont vaincus, et notamment ici, les enfers, tous ces lieux qui accueillent les morts. Il n'y a pas de raison que ces lieux-là ne soient pas vaincus par le Christ, et Jésus les a visités, il est descendu plus bas que la terre pour les visiter, mais il a aussi vaincu ces lieux-là. Et avec son ascension, Jésus-Christ manifeste une délivrance, donc. Il a vaincu toute autorité, il est à la droite du Père, il est au-dessus de toute domination qui pourrait s'exercer sur nous. Par notre foi, nous avons accès à cette délivrance. Et il a un ministère qui vise encore cette protection, puisqu'il est avocat. C'est ce qui fera dire même à un commentateur que j'ai relevé, ce n'est pas à nous que Christ présente ses blessures pour nous rappeler le mal que nous avons fait, comme un accusateur, hein, tu vois, qu'est-ce que tu as fait là, mais au Père, pour lui demander sa miséricorde pour nous. Ce n'est pas à nous que Christ présente ses blessures pour nous rappeler le mal que nous avons fait, mais au Père, pour lui demander sa miséricorde pour nous. N'oublions pas ça. Quand bien même nous serions accusés ou que nous nous accuserions un peu facilement nous-mêmes pour des fautes, et peut-être que ça en vaut la peine de les ressentir et de se plaindre devant Dieu, de se plaindre à soi-même, même peut-être. N'oublions pas que Jésus est avocat et qu'il défend notre cause devant le Père pour que nous puissions obtenir sa miséricorde. Il y a une porte qui est toujours ouverte avec lui. Nous ne sommes pas conduits à la culpabilité, mais à être délivrés de la culpabilité. Lorsque désormais vous lirez, on le lit très peu dans les milieux évangéliques, mais vous lirez le credo, hein, je crois au Père, je crois au Fils, etc., je crois à l'Esprit, je crois à l'Église. À un moment donné, il est fait mention de la résurrection et de l'ascension, il est dit, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lorsque vous pouvez lire ce credo, ne passez pas trop vite sur la phrase qui fait allusion à l'ascension. Appréciez-la à sa juste valeur. Recevez et
gardons acte de cette consolation que Jésus accorde par son ministère. Marchons dans l'assurance, totale assurance, avec cette liberté que nous avons encore de nous adresser à lui, puisqu'il détient tout pouvoir et il est notre avocat. Louez Dieu pour sa pédagogie, sa manière de faire, pour nous conduire justement à savoir que nous pouvons être accompagnés et que nous pouvons croire avec certitude dans ce Seigneur qui est aujourd'hui à la droite du Père. Oui, voilà. L'ascension ne devrait pas être une fête d'un jeudi, ça devrait quasiment être un dimanche, je dirais, une fête que nous, sur laquelle nous pouvons nous arrêter, comme on le fait le dimanche pour d'autres fêtes, pour dire, ben voilà, oui, ça c'est une fête que nous voulons retenir, parce que sans elle, nous ne retenons que des éléments peut-être essentiels, mais il y en a qui manquent. Et l'ascension est vraiment là pour nous dire que nous avons encore à considérer le rôle de Jésus-Christ, sa consolation, sa volonté de encore agir en dépit du fait qu'il n'est pas sur la terre. Nous allons pouvoir chanter un chant qui, justement, nous place devant le Christ comme avocat et savoir que nous pouvons nous attendre à lui. C'est ce chant qui dit « Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi toujours. » Et je vous invite à faire votre, si possible, vraiment cette confession à travers ce chant et que, quelle que soit la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, puissiez-vous retenir qu'effectivement, vous n'êtes pas seul à vous dépatouiller, que même si parmi les hommes, il y a des personnes qui peuvent vous aider, il y a encore et toujours celui qui est auprès de Dieu, le Père, et qui est notre avocat. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Paroles de l'apôtre Jean, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Oui, merci Seigneur de ce que tu n'as pas terminé ta tâche. Tu nous connais et tu nous aimes. Merci pour l'exemplarité de ta vie, ton témoignage, les traces que tu as laissées sur cette terre. Mais merci aussi pour cette œuvre magnifique que tu accomplis encore dans les cieux, auprès du Père.
toi le juste avocat. Fais descendre en nous, Seigneur, ta paix, cette assurance dont nous avons besoin pour avancer un pas après l'autre. Merci pour ce chemin que tu as tracé. Merci pour ta présence, ta fidélité. Sois loué, Seigneur, pour vraiment tout ce que tu représentes, qui est révélé par ta parole. Donne-nous, Seigneur, de ne pas passer à côté de toutes ces vérités que tu tiens à nous faire entendre. Sois loué, Seigneur. Amen. Merci Guy. Alors avant d'oublier, je dis tout de suite qu'il y a une boîte au fond et c'est pour la collecte, pour le financement de l'Église. Voilà, le reste des annonces. Donc aujourd'hui, il y aura un repas partagé et à 14h, une réunion d'Église, c'est pour échanger, si j'ai bien compris. Donc, mardi, il y aura à 14h une leçon de français pour les débutants et à 15h une leçon de français conversation. À 18h, une réunion de prière dans l'église et à 20h15, groupe de maison de la force. Vendredi, il y aura l'Anglophone Fellowship Group à 10h30. Samedi à 14h, répétition pour le groupe de louanges. Et dans le hall, vous allez trouver un petit poster qui est en même temps une invitation à un concert donné dans le temple de Bergerac dimanche 21 mai à 17h avec la chorale Cantica de Montpellier. Voilà, vous allez pouvoir lire le reste de l'information là-dessus. Alors, on va finir ce premier... Pardon, excuse-moi. Bonjour. Je vous fais un petit résumé du conseil qui s'est réuni hier matin. Alors, j'aime bien vous dire juste trois choses, et là, je ne vais pas y arriver, il y a plein de choses à dire. D'abord, toujours le point financier, les finances vont bien, les offrandes sont au niveau du budget, les dépenses sont au niveau du budget, on n'a pas de poste pastoral à couvrir, donc on est en train de cumuler un peu d'argent pour pouvoir honorer tous les travaux prévus et déjà annoncés. Et donc par rapport aux travaux, hier on avait la visite de Sylvie Levray, qui était une architecte à la retraite, qui était à la commission des bâtiments dans notre union d'église, et qui est venue nous voir par rapport à notre problématique de crise du logement, à savoir il nous manque une salle pour... pouvoir travailler correctement et sereinement avec les jeunes. Donc, on est en réflexion pour faire quelque chose sur le grenier. Maintenant, les premiers chiffres annoncés font peur, donc on va se calmer, on va continuer de bien regarder ça. Mais voilà, donc la visite de Sylvie Levray hier, on en reparlera plus tard. Autre point, la location du presbytère. Donc jusqu'à présent, le presbytère était occupé par une famille qui est partie et qui nous remercie de lui avoir loué le presbytère pendant un peu moins d'un an. Et le conseil a validé la location du presbytère à une association qui s'appelle 100 pour 1, qui va le mettre à la disposition d'une famille. Toujours dans les mêmes conditions, même loyer, etc. Dans les événements à venir... On vous en reparlera, mais il y aura différentes choses au mois de juin. Tout d'abord, le 11 juin, Bergerac Fraternité. John nous en reparlera, mais si vous vous souvenez, l'année dernière, Bergerac Fraternité, c'était une marche à travers Bergerac sur les différents lieux de culte, à savoir, ça avait commencé par la mosquée, puis chez nous, puis l'église catholique, puis l'église réformée sur les quais, un petit événement sur les quais. Il y avait plus de 300 personnes, 200-300 personnes l'année dernière à peu près dans notre église sur cet événement à ce moment-là. Donc cette année, le format va être différent, hein, si j'ai bien compris, John. Ce ne sera plus une marche à travers Bergerac et les différents lieux de culte. Chaque lieu sera ouvert pendant un moment où chacun pourra expliquer ce qui se vit dans chaque lieu.
Et puis, il y aura un temps commun avec une collation à la fin. Voilà. Donc, retenez ça, c'est le 11 juin. L'année dernière, on était peu nombreux. Je pense que ça serait sympa si on était un peu plus nombreux pour pouvoir bien l'organiser, bien le mettre en œuvre et puis apporter un bon témoignage de l'église de évangélique libre de Bergerac. Le 21 juin, fête de la musique. Alors, là aussi, c'est un événement qui nous a permis d'être partagé avec l'église réformée l'année dernière. Joël Dahan, le pasteur, nous avait invité au travers de l'équipe Louange à partager ce temps-là. Donc, c'est encore d'actualité. On va essayer d'être encore meilleur pour ça. C'est Anne-Louise qui gère ça et qui en reparlera, je pense. Enfin, 25 juin, tout se passe en juin. 25 juin, une sortie d'église avec un repas d'église dans un jardin. Là aussi, ça mérite d'être peaufiné et tout ça. On vous en reparlera, mais la date, c'est le 25 juin. Pour le compte-rendu du conseil, c'est fini. J'ai quelqu'un qui me met un grand panneau, synode. Synode. Le synode, c'est cette semaine, c'est vrai. On a nos délégués, merci Sandrine, qui vont se rendre à la Costette, donc le Mazet-Saint-Voix, pour, donc c'est l'Assemblée Générale de toutes les églises de l'Union. Merci à eux pour aller dans ce beau pays de la Haute-Loire-Haute-Ardèche. Donc, les deux annonces que tu n'avais pas, c'est d'abord les salutations de Jenny, qui est toujours en Australie, Jenny Girard, mais qui nous demande de vous saluer, vous adresser ses salutations, et elle prépare son retour pour le 28 juin. Tout se passe en juin. Et enfin, le collectif qui s'occupe d'une famille, enfin qui veut accompagner une famille, a besoin de différentes fournitures, vaisselle, linge de lit, meubles. Si vous avez des choses que vous êtes prêts à donner, etc., n'hésitez pas à venir me voir. Et si vous avez plein de questions, venez me voir. Et sinon, c'est tout à l'heure, après le repas. On va voir si on a de quoi organiser un apéritif. Il est très tôt, donc faut juste, en tant qu'échanson de l'église, je sais qu'on a du vin. Pour le reste, je ne sais pas, mais je vais vérifier. Merci Lélian. On va lire dans Jean 20. Voilà. Les disciples sont remplis de joie en voyant Jésus. Jésus leur dit encore une fois, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et on va finir avec la bénédiction. Sur vous.
soyez bénis. Bonne semaine. Et merci à tous. Merci.